Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour un nouvel épisode Papy Corse s'éclate sur Arc Survival. Il est 20h06, nous sommes samedi 3 avril 2021 et c'est parti donc pour une nouvelle aventure de Small Tribe officielle, évidemment, bien sûr. Donc j'ai rallumé avec Patou, on a joué en fin de matinée, début d'après-midi, non, cet après-midi, ouais, début d'après-midi, on a joué au début d'après-midi, on a monté la base, on avait mis des plantiques, comme je vous ai fait voir dans le précédent épisode, et là, donc, on continuait, donc la base et pas mal de choses, et une wyverne est venue, deux wyvernes sont venues, trois wyvernes sont venues. Donc on a eu le temps de mettre les tourelles, ils se sont fait déglinguer par les plantiques, hein. c'est pas anodin les plantiques quand même pour contre les wyvernes, contre Managarm, ouais je dis pas, mais contre les wyvernes c'est pas mal, et non ils étaient embêtés et tout, donc on en a tué 4 je crois, on va aller voir les logs ensemble, hein. Apparemment on n'a pas été pété là, hein. On a arrêté à 16h30. On a arrêté à 16h30 et là je reprends, donc voilà, on va voir ça en même temps que vous, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis les tourelles, j'ai sorti les tourelles à l'extérieur, à l'intérieur, on a mis juste sur les survivants. Et donc c'est des rectologues, hein, donc ça doit être des Russes ou des pays de l'Est, hein, je pense, ou des Coréens, parce qu'on a vu Coréa aussi. Alors le problème en Small Tribe, c'est que la règle du jeu de Small Tribe, c'est tribu contre tribu, point, voilà. Donc maximum, c'est 5 contre 5. Là, ils n'ont pas pu s'approcher, il y en a, ils se sont fait tuer leur Pteranodon niveau 260, on va voir ça ensemble de suite, hein. Voilà, oula, bien, Dux, il s'est fait tuer 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois, donc voilà, hein, ça c'est tout nouveau, il s'est fait tuer 5 fois, et Poep, il s'est fait tuer 2 fois, donc ils ont essayé de nous raider apparemment, hein, parce que ils n'ont pas pu approcher, donc voilà, là il y a un Pteranodon niveau 267 qu'on a eu, quand même, hein. Le gars il était niveau 70, c'est Vivex. Là, on a tué un niveau 77 deux fois, hein, donc voilà. Ils n'arrivent pas à s'approcher de la bâche, donc on commence à se faire un nom. Hein. La tribu de Papy Corse, on commence à se faire un nom. Salut Satnea, comment vas-tu? Ça va bien? Voilà, donc on arrive à se faire un nom, Papy Corse. Et donc, comme je vous disais, Small Tribe, c'est tribu contre tribu. C'est pas tribu contre tribu. Ah, le Small Tribe, c'est 5 contre 5 maximum et il faut pas aller chercher des alliances parce que les alliances sont interdites sur Small Tribe. Et eux, c'est ce qu'ils font. Avec les Wyverns, ils sont venus, ils se sont fait déglinguer et tout. Ils n'ont pas pu approcher. Nous, on a pris nos fusils de précision. On a eu le temps de se défendre. On les a repoussés. Et ils faisaient appel à des autres tribus qui avaient des managarmes. Et ça, c'est pas sympa, c'est de la tricherie. Voilà. Donc c'est dommage que sur Ark on n'arrive pas à trouver des serveurs où les gens jouent vraiment en fair play et qui respectent le règlement du jeu Ark. Hein. Donc franchement c'est dommage. Voilà. Donc ils sont tellement pas contents. Là ils nous ont pété des pics. Voilà, ça c'est nouveau, hein. Ça y était tout à l'heure. Hein. Donc voilà, je découvre en même temps que vous. Hein. Là, ça a été pété, on dirait aussi. Ouais, ils ont réussi quand même à pénétrer dans notre base. Voilà. Mais on les a tués 5 fois, hein. 5, 6, 7 fois même. Voilà, vous voyez, ils pètent là et hop, il y a un comité d'accueil. C'est une tourelle qui les reçoit. Et ils n'ont pas pu donc aller plus loin. Donc, ils n'ont pas dû nous dévaliser la base. Et ça, c'est sympa. Là, j'ai mis deux tourelles en bas s'ils pètent par le bas, hein, comité d'accueil, et une tourelle en haut pour éviter qu'ils se posent sur le toit et tout péter. Salut Damien, comment vas-tu? Bien? Oui, ça fait longtemps que tu n'étais pas passé, Satnea. Tout à fait, ouais. Oui, j'ai dit, bon, voilà, il y a du nouveau, hein, parce que là, on a joué cet après-midi hors Twitch avec Patou, et on s'est fait attaquer par une, après deux, après trois wyvernes, après ils ont appelé des managarmes, des autres tribus et tout, donc ils sont pas mal contre nous, et là, ils arrivent de moins en moins à péter notre base, donc là, je suis super content, Patou aussi, et Nikors aussi, qui joue avec nous maintenant, voilà, donc en bas, ils ont un comité d'accueil, comme je vous le montre maintenant, voilà. Hop,
Donc ils ont quand même essayé de nous attaquer, hein, parce que quand on a déconnecté, voilà, ils étaient, ils tournaient autour et pour pouvoir pénétrer dans notre base. Hein. Voilà. Donc notre base, elle est là. Là, il y a un petit comité d'accueil. Non, là, il n'y en a pas. Je n'en avais pas mis, donc ça doit être l'autre. Donc là, s'il pète par le bas, on est mal. Donc on va aller là-haut. Hop, voilà. Voilà. Donc s'il pète ici, il y a un petit comité d'accueil. C'est une tourelle. Hein. Là, ils n'ont pas cassé. Vous voyez, ils n'ont pas cassé. Donc ça, c'est nickel. Par contre, ils ont eu pas mal de plantiques. Je découvre. Hein. Je découvre comme vous. Voilà, j'ai dit, bon, allez, hop, je Twitch et puis je vais découvrir avec mes télé-twitchers parce qu'il se passe tellement comme chose. J'ai dit, il faut quand même qu'ils voient ça. Tranquillou ? Ah, tranquille, tiens, regarde. Oh, je me rappelle plus avec les noms parce que vous venez tellement, là, je vous apprécie tous que je me trompe avec les noms maintenant. Damien, voilà, Damien. Ah. Voilà. Donc, on a mis des plantiques, hein, donc ça les repousse bien, hein, ça les refroidit quand même. Les plantiques, donc c'est génial. Là, ils nous ont pété des pics. J'en ai remis des pics ici, vous voyez. Là, j'ai fait une double barrière de pics parce qu'ils arrivaient à passer entre les pics, vous voyez. J'ai réussi à mettre une tourelle là-bas parce que quand ils sont à droite, bah, je vais à gauche et puis je mets les tourelles au dernier moment. Donc là, ils se sont fait blouser, on va dire, hein, entre guillemets. Ils s'y attendaient pas parce que normalement, il n'y a pas de tourelle. Donc j'en ai mis une ici. Seulement sur les survivants, est-ce qu'elle a tiré? Ouais, elle a tiré, hein, elle était à 200... ils étaient à 300, elle est à 295. Donc ça les repousse, ils ne savent pas où se poser, si vous voulez. Ils viennent avec les wyverns, mais ils ne savent pas où se poser parce qu'il y a une tourelle là, il y a une tourelle à l'intérieur, il y a une tourelle à l'extérieur, il y a une tourelle ici, vous voyez? J'en ai mis une ici. Donc c'est génial, on y arrive, et moi ça me fait plaisir. Et là en plus, on est 36. Là, on est 36 sur le serveur. Généralement, on est entre 8 et 12 sur le serveur. Là, ils sont 36. Je me suis connecté. Ouh, j'ai dit, il y a du monde, on va se faire flinguer complet. Ou on s'est déjà fait flinguer. Bah non, non, on résiste. On résiste. Et tout à l'heure, on a repoussé une attaque de 3 wyverns avec 4 mecs. Hein, ils étaient 4. Et il n'y avait que moi et Patou avec des fusils de précision. Voilà. Donc là, j'ai mis une tourelle, pareil. Vous voyez? Voilà, seulement survivant, je mets. C'est-à-dire que si le mec il vient en wyvern, eh ben, il se fait descendre de sa wyvern. Après la wyvern, si elle n'est pas sur neutre, j'ai plus qu'à prendre une épée ou, et puis péter la wyvern. Chose qu'on a failli faire il n'y a pas longtemps pour un managarm. Voilà. Salut, ça y est, fini le collège. Ah bah oui, c'est vrai. Donc toi, tu as fini, mais moi aussi j'ai fini parce que je ne livre plus les écoles, puisque les écoles, c'est, moi je livrais les repas de cantine. Donc là, je suis au chômage jusqu'au 22 avril. C'est vrai, je ne t'avais pas dit, Damien. Voilà, donc je vais twitcher tous les jours, normalement, sauf le mardi soir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, pour moi, parce que comme ça, je vous verrai plus. Voilà, donc on y arrive, hein, voilà, c'est super. Là, il faut que je remette des pics, ils ont pété les pics, ils ont pété quelques plantix. Mais il ne faut pas sous-estimer les plantix contre les wyverns. Hein. Contre les managams, ça ne sert pratiquement à rien. Et contre les wyverns, ouais, ça sert. Ça sert. Là, ils nous en ont pété 2, 3, 2. Voilà. Ils nous en ont pété 2. Donc, il faudra que je les remette. Voilà. Donc, il y a de l'action. Hein. Franchement, il y a de l'action. Le small trip, c'est bien. Sauf que, bah, il y a des tricheurs. Pour comment ça se fait? Je suis monté tout à l'heure, là, non? Il y avait la porte, non? Non, non, c'était l'autre. Il y a des tricheurs parce que bah ils y arrivaient pas à 3 et ils sont venus après. Il y a un quatrième qui est venu avec sa wyvern sac d'os là. Hein, et il faisait appel sur le chat. Ouais, il y a 7 plantix. Il donnait les coordonnées de la carte et tout. Et il y a plusieurs tribus qui se sont manifestées. Et ça, c'est pas sympa, c'est de la triche parce que. En small trip, c'est tribu contre tribu. C'est pas. Il n'y a pas d'alliance. Voilà. Et ça, c'est un peu pourri. Donc, on se retrouve avec pas mal de tribus contre nous. Alors qu'eux, ils sont en alliance. Donc, ils n'ont pas compris. C'est dommage, quoi. En plus, je perds rien en salaire. Ah oui, d'accord, Damien. T'es en chômage technique, alors. Continue Minecraft quand je te vois mettre un sur... J'ai mis le dernier épisode Zundercool de Minecraft. Voilà, le dernier jouet, je l'ai mis. Donc là, je suis parti sur Arc parce que je me suis aperçu que quand je joue à l'un et pas à l'autre et à un autre, donc je me préfère me concentrer sur un seul et pour l'instant, c'est Arc. Après, oui, certainement que je reprendrai GT6, Green Hell et N-Grill, je ne sais plus quoi, et puis Minecraft. Voilà, mais pour l'instant, je suis sur Arc.
Mais je peux pas voilà, faire plaisir à tout le monde, malheureusement. Hein. Il y en a qui préfèrent tel jeu, tel jeu, tel jeu. Voilà. Hein. Ouais, GT6, voilà, c'est pour ça que je te parle de GT6 Undercool. Quand j'ai mis les vidéos et quand je les regarde, bah, je pense à toi parce que tu m'as été d'une grande aide, hein, franchement. Donc là, je vois qu'il y a d'autres tribus, hein. C'est pas celle de tout à l'heure. Donc là, il y a du monde, il y a du monde. Donc il faut que bah, je m'active. Donc Nick Orsin, il n'est pas là ce week-end puisqu'il reçoit de la famille. Donc il va y avoir que moi et pas tout. Et puis bon, on va essayer. Là, il y avait un comité d'accueil, normalement. Non, c'était l'autre. Ils me l'ont pété, ma tourelle. Alors là, j'ai un truc, je comprends pas. Hein. Là, j'ai mis qu'une tourelle. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ma stratégie, c'est ça. Nick Orsin, il l'a fait. Hein, il m'a vu faire. Donc, ils nous ont tués donc, à l'extérieur une partie précédente. Hors Twitch, c'est malheureux. Et lui, il a ouvert la porte. Hein. Et puis, la Wyvern, elle était là. Et la tourelle a tué son bonhomme. Pas la Wyvern, le Managarm. Il a tué le bonhomme. Et puis, il essayait de tuer donc le Managarm. Après. Parce que le Managarm, il était sur passif. Donc, ça, c'est une chose à pas faire. Voilà, donc c'est des petites stratégies sympathiques, et là j'ai commencé donc à faire le centre. Voilà, j'ai fait le centre avec deux tourelles en bas, une tourelle ici. Donc là déjà ça refroidit, hein, les mecs, à la douche, on va dire, ok ça marche Damien, pas de problème. Peut-être à tout à l'heure, hein, je pense arrêter vers 21h, non je pense pas si t'es parti chez des gens. Mais sinon on se voit demain Damien, il n'y a pas de soucis. Bon il y a beaucoup de rollback, hein, quand il y a du monde, il y a beaucoup de rollback dans le small tree, regardez où est-ce qu'il m'a remis. Voilà. Donc là, il y a du taf. Hein. Franchement, il y a du taf. Voilà, donc là, il y a un comité d'accueil aussi. Et j'avais mis une tourelle en bas et je comprends pas pourquoi il n'y est pas. Ah, si, il y est. Voilà, d'accord. Voilà, là, il y a un petit comité d'accueil. C'est s'il pète par le bas et ta-ta-ta-ta-ta. Boum, 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 boum. Pa-pa-pa-pa-pa. Pip-pip-boum. Ah, voilà. Donc moi, j'aime bien regarder mes logs. Hein. Voilà, regardez un petit peu le rose. Ça fait plaisir de voir du rose. Ça veut dire ça, c'est les ennemis qu'on a eus. Hein, les animaux tamés et puis les survivants. Voilà, regardez un petit peu le rose, il commence à s'ajouter, on commence à avoir presque plus de rose que de rouge. Regardez là, regardez, waouh, hey, voilà les gars, niveau 99, niveau 101, hein, donc c'est RPA, ils sont revenus tout à l'heure, ils ont mis des lits de partout, ils ont mis des sacs de couchage de partout. Patou, elle, avec son pteranodon, elle regarde en l'air, et puis elle voit les sacs de couchage, elle voit les lits, donc elle y va, elle les pète et tout. Ils s'étaient préparés pour nous attaquer, et comme ils ont vu qu'on était là, donc ils ont lâché l'affaire. Voilà, mais regardez un petit peu, et ça fait plaisir, ça fait plaisir pour une petite tribu de noobs, hein. On n'est pas des gros cadeurs de arc. Et puis voilà, donc là, ils sont à l'obélisque bleu. Bon, ça va, on est assez loin. Et moi, j'aime bien voir ça. J'aime bien voir les dégâts qu'on peut faire. Ça veut dire qu'on a une bonne défense, quoi. Et ça, c'est sympathique. Voilà, donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est sortir mon aigle. Et puis aller chercher donc du métal pour faire fondre et réparer et refaire donc des tourelles. Hein, les tourelles, on en a trois à l'extérieur tout autour. On a les plantiques et on a des tourelles à l'intérieur. Donc, c'est génial. Franchement, c'est un. Tu vas être tenté d'être là souvent? Ah, bah, il n'y a pas de problème, Zandercool. Super. Voilà. Donc, on n'a pas de stream hackers. C'est ce qui nous fait avancer et bien nous défendre. Mais dès qu'il y a des stream hackers, donc là, ça va être difficile. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Et tant mieux. Et tant mieux. Voilà. Donc là, j'ai une porte à refaire. Ok, ça marche. Donc, il faut que j'aille chercher une pioche. Il va falloir que j'aille chercher mes outils. Alors, au moins la pioche à manger. De toute façon, il y a le comité d'accueil. Ouais, il est là. Okay. Donc, ça, c'est nickel. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est pas mal de tourelles à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, continuer notre progression. Et puis mettre des tourelles lourdes. Hein. Voilà. Ok. Donc, là, il me faut des outils. Hein. Let's go. Sinon, bah, j'espère vous passer un bon week-end, que vous allez bien vous éclater. Hein. Et puis, il y en a beaucoup donc, qui doivent être en vacances. Hein. C'est ça. Hein. Donc ça, je vais peut-être le prendre après. Hein. Je vais le prendre maintenant. Je vais aller le ranger. Là, j'ai du ciment. Ouais, j'en ai 73. Tu parles avec ça. Donc, ce qu'il me faut surtout, c'est ma pioche pour aller chercher du métal pour faire fondre. Hein.
métal, ciment, ça c'est le béaba hein, pour avoir une bonne défense, pour avoir le métal. Et puis mes outils, je sais pas où ils sont, mais mes outils, on les range de partout, les machins. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu notre défense, notre jeu, voilà, impeccable. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le bois, oui, je vais prendre. Je vais rester en slip. Ça, on a des graines de plantix, donc ça il va falloir en remettre, hein, il n'y a pas de soussaille. On va aller chercher notre bézo qui fait de l'engrais. C'est Mister Zoubier. Mister Zoubier, c'est notre bousier. Donc, hop, tu viens avec moi, s'il te plaît. J'essaye de fermer la porte, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Voilà, ça y est. Donc, lui, il nous fait l'engrais, hein, les cloches, hein, pour mettre dans les plantix. Ça, c'est indispensable, hein, les bousiers, si vous faites des plantix. Hein. C'est clair. Hein. Les boulettes de Fiomia, ça suffit pas. Hein. Il faut vraiment de l'engrais tenace que les bousiers font. Hein. Voilà, donc il va ici. Et donc dans le bousier, ce qu'il faut mettre, hein, les niveaux, c'est le poids. Hein. Plus vous aurez de poids, plus vous pourrez mettre d'excréments dedans et plus vous aurez de cloches. Hein. Voilà, c'est surtout le poids qu'il faut mettre. Là, il peut prendre 21 kg. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Pour un bousier, c'est pas mal. Voilà. Donc là, je suis content, on y arrive mieux. Bon, on sera certainement pété de chez pété, hein. On s'y attend, une grande, grosse tribu, bon voilà, une grosse tribu de 5 qui ont le tech, voilà, nous on fait pas face, hein. Ils nous lâchent. Hein. Mais bon, on arrive à se défendre et on arrive à péter des mecs, et ça c'est génial. Ça, pourquoi je vais là-haut? Je sais pas pourquoi je vais là-haut. Une fois à manger, non, je vais pas aller là-haut. Ok, allez hop. Il me faut à manger. À manger, je dois en avoir là, je pense. Ouais, 44. Je vais pas prendre 44, ça fait trop. Ouais, donc ça, je vais le mettre dans l'atelier, le ciment, et on va mettre les cloches. Et ben, on va remettre des plantix, hein, tout simplement. J'aurais dû en prendre une graine. Je vais aller chercher une graine de plantix. On va la remettre. Parce que les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font les kamikazes et ils essayent d'enlever l'engrais dans nos plantix. C'est-à-dire que si les plantix n'ont plus d'engrais, à force de tirer, eh ben, ils vont périr. Ils vont périr parce que plus ils tirent, plus ils ont besoin d'engrais. Voilà. Donc eux, ce qu'ils font, ils enlèvent l'engrais, ils font des kamikazes, et puis ils les enlèvent, ils se font tuer, évidemment. Et puis mes caricultures, eh ben, ils n'ont plus d'engrais dedans. Donc ce qu'il faut, c'est préserver le carré de culture avec des encadrements de porte, une trappe, non pas encadrement de porte, des encadrements de trappe, une trappe, et après ils peuvent plus prendre notre engrais. Donc ça, il faut que je travaille ce truc là. Donc ça, j'ai la viande, j'ai mis le, ok, le cime, okay. Ah ouais, les cloches et puis ma graine de plantix, et puis après on va sortir l'aigle. Ouais, bah attendez, oui, c'était pour sortir l'aigle que j'avais été là-haut, c'est ça, d'accord, ok, pas de problème. Ok, donc je vais sortir l'aigle ici, et je vais ranger la cryo, pareil, hop, là, voilà, c'est bon. Voilà, ça y est, j'ai mon aigle. Alors mon aigle, ça sert à aller chercher le métal, hein. Je vais en ramener pas mal, parce que c'est par 5, je crois, avec l'event, en small trib. Hein. Donc je vais chercher une plantix, une graine, que je vais remettre. Je vais peut-être en prendre plusieurs parce qu'ils m'en ont pété deux. Donc il va falloir. Ça met 8 heures pour pousser hein, les plantix. Hein. 8 heures. Donc s'ils ne reviennent pas, demain bah, on aura plantix. Hein. Pourquoi tu rentres pas là-dedans, toi? Voilà. Donc là, je mets ma cryo ici. Je vais. Ils sont là, les plantix? Non, ils sont pas là, les plantix? Ah bon, j'y croyais. J'y croyais mal. Ok, ça marche. Ok. Voilà. Donc s'il n'y a personne sur le Twitch, c'est normal, c'est parce que normalement je ne Twitch pas le samedi, hein, voilà. Mais là, tellement qu'il y a de l'action et qu'on se fait attaquer, je me suis dit, bon, je vais leur montrer un petit peu, mais je pense qu'on va se faire attaquer ce soir, ça c'est obligé. Donc je vais leur montrer un petit peu ce que c'est de se faire attaquer et puis de se défendre aussi. Eh oui, il faut se défendre. Hein. Ça c'est important, nous on est plus défense. Que attaque, hein. On est plus anti-raid que raid, voilà. Donc les amateurs de raid, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Hein. Mais pour l'anti-raid, oui, alors là, il n'y a pas de problème.
placer en graine. Donc je vais sur là, je mets la graine, une graine, et je mets donc les cloches. Hein. Moi j'appelle ça des cloches, ça ressemble à des cloches. Donc l'engrais, voilà, ça fait 54 000 d'engrais, hein, une azote en cloche. Hein. Et les cloches, ce sont le bousier, c'est les bousiers qui les font, hein, ou les composteurs. Mais ça va beaucoup plus vite avec un bousier, hein, voilà. Donc là, j'ai mis la plante, vous voyez, hop, voilà, elle est, maintenant elle va grandir. Elle va grandir, il faut attendre 8 heures. Voilà, et j'en ai encore une à mettre ici, mais il me faut, je vais peut-être en prendre à côté. Ouais, je vais prendre à côté, parce qu'on peut les retirer. Vous voyez, regardez, encadrement de trappe, hein, c'est ça. Encadrement de trappe, et là, je ne pense pas qu'ils peuvent me piquer les azotes.